France Culture présente René Char et la définition du poème. Une émission de Jean Starobinski avec Roger Blin et Jean Negroni. Réalisation Georges Gravier. Il n'est aucun poème, aucune ligne de René Char qui ne nous donne le sentiment de l'ouverture. Un espace accru apparaît devant nous, s'illumine en nous. Cet espace s'offre à nos yeux ouverts. Il n'a pas les facilités du songe. C'est le volume foisonnant du monde, c'est l'instant présent révélé dans leur étendue plénière. Quelque chose d'immense, d'intense est soudain là. L'ampleur nous en est rendue sensible par l'emportement d'une émotion qui ne supporte pas de se sentir distincte des grandes énergies naturelles. C'est, selon les termes de René Char, la matière-émotion instantanément reine. Mais le sentiment d'ouverture que nous éprouvons à lire René Char ne tient pas seulement à cet accroissement déchirant du site et de l'instant présent. Le poème, si nettement tracé devant notre regard, nous fait sentir ces deux rives de silence. Il se développe entre un passé et un futur. Il s'arrache à un espace originel. Il est pointé vers un lointain qui ne peut être que pressenti et qui doit demeurer inaccessible. La parole poétique s'environne d'un en-deçà et d'un au-delà qui ne peuvent être atteints et nommés, mais que l'énergie du poème ne cesse de désigner. Le sentiment d'ouverture, plus encore qu'il ne résulte de l'étendue bouleversante offerte à la domination de notre regard, tient à la façon dont René Char, en donnant au présent et à la présence tout leur éclat, sauvegarde l'intégrité du lointain et de l'absence. La grande alchimie du poème consiste à impliquer dans le présent du langage, dans le mouvement actuel de la parole, une relation éveillée avec ce qui ne se laisse pas posséder, avec ce qui s'annonce et se dérobe dans l'intervalle absolu. Il suffit de répéter ici l'admirable définition de René Char: la poésie est l'amour réalisé du désir demeuré désir. Mais encore cette parole plus récente: supprimer l'éloignement tue. Les dieux ne meurent que d'être parmi nous. L'ouverture, on le voit, n'est pas l'étalement indifférencié d'un grand panorama offert à la contemplation. Elle naît du contraste dramatique entre un ici et un ailleurs, entre l'éblouissement actuel et le fond insaisissable sur lequel il se détache. La fonction de la poésie, Char ne cesse de le répéter, c'est de maintenir cet affrontement des contraires, c'est d'en recueillir la souffrance et le fruit. Le poète peut nous apparaître ainsi sous le double aspect du blessé et du conciliateur. Les aphorismes de René Char nous offrent le parfait exemple de ce commerce belliqueux et amoureux entre les contraires. Le poète, écrit Char, transforme indifféremment la défaite en victoire, la victoire en défaite, empereur prénatal seulement soucieux du recueil de l'azur. Magicien de l'insécurité, le poète n'a que des satisfactions adoptives. Il convient que la poésie soit inséparable du prévisible, mais non encore formulée. En poésie, c'est seulement à partir de la communication et de la libre disposition de la totalité des choses entre elles à travers nous que nous nous trouvons engagés et définis à même d'obtenir notre forme originale et nos propriétés probatoires. Ces textes, auxquels s'appliquerait si bien le terme baudelairien de fusée, portent en eux comme une particule d'énergie excessive, principe de leur éclatement dans la hauteur illuminée du sens. La contraction formelle de l'aphorisme est en rapport d'opposition avec un espace infini qui ne lui est étranger que pour lui devenir plus parfaitement complémentaire. L'instant fulgure, il déchire le silence et la nuit de l'attente, puis la nuit se refait. Ce n'est là qu'une image entre plusieurs. Le poète est maître de peupler à sa guise et selon la grâce que lui octroie le monde cet instant qu'occupe l'événement bouleversant. Et ce qui borde l'instant sur
sur les deux rives du passé et de l'avenir est trop mystérieux pour que le poète ait trop de tous les mots et de toutes les images qui peuvent en éveiller le pressentiment. L'image de la nuit, néanmoins, revient avec insistance, associée à l'image de l'humus, du rocher, de l'hiver, de l'angoisse. Dans un texte récent, L'âge cassant, nous lisons « Je suis né comme le rocher, avec mes blessures. Sans guérir de ma jeunesse superstitieuse, à bout de fermeté limpide, j'entrai dans l'âge cassant. » Mais voici autre chose. L'intensité est silencieuse, son image ne l'est pas. J'aime qui m'éblouit, puis accentue l'obscur à l'intérieur de moi. Sur une nuit sans ornement. Regardez la nuit battue à mort, continuez à nous suffire en elle. Dans la nuit, le poète, le drame et la nature ne font qu'un, mais en montée et s'aspirant. La nuit porte nourriture, le soleil affine la partie nourrie. Dans la nuit se tiennent nos apprentissages en état de servir à d'autres, après nous. Fertile est la fraîcheur de cette gardienne. L'infini attaque, mais un nuage sauve. La nuit s'affilie à n'importe quelle instance de la vie disposée à finir en printemps, à voler par tempête. La nuit se colore de rouille quand elle consent à nous entr'ouvrir les grilles de ses jardins. Au regard de la nuit vivante, le rêve n'est parfois qu'un lichen spectral. Il ne fallait pas embraser le cœur de la nuit. Il fallait que l'obscur fût maître où se cisèle la rosée du matin. La nuit ne succède qu'à elle. Le beffroi solaire n'est qu'une tolérance intéressée de la nuit. La reconduction de notre mystère, c'est la nuit qui en prend soin. La toilette des élus, c'est la nuit qui l'exécute. La nuit déniaise notre passé d'homme, incline sa psyché devant le présent, met de l'indécision dans notre avenir. Je m'emplirai d'une terre céleste. Nuit plénière, où le rêve malgracieux ne clignote plus. Garde-moi vivant ce que j'aime. Un soulèvement de la parole. J'insisterai délibérément sur ce terme qui me paraît l'un des meilleurs qualificatifs de l'œuvre de Char. Soulèvement est ici le mot approprié dans toutes ses acceptions. Il s'applique aux images de la montée, si nombreuses dans la poésie de Char. Il indique le mouvement de ce qui s'élève à partir des profondeurs. Le surgissement d'un archipel volcanique, le choc de la vague, le bond du cœur, le vol ascensionnel de l'aigle. Il désigne aussi l'élévation du langage à son sens plein, à sa hauteur dominatrice, où les mots atteignent une région au sein de laquelle leur entière littéralité devient compatible avec leur plus large aptitude métaphorique, où l'abstrait et le concret échangent leur pouvoir. Et la poésie de René Char est encore une fois soulèvement, dans le sens de l'insurrection, de l'élan séditieux, de l'énergie révoltée. L'image complexe du soulèvement nous permet ainsi d'apercevoir les vertus cardinales de la poésie de René Char, l'angoisse mobilisée, la hauteur gagnée, l'adversaire défié. Ce sont là les vertus d'un vivant en même temps que celles d'une œuvre. Le poète est ici l'exact contemporain de sa parole. Si l'on a pu dire à propos de Char que le poète est enfanté par le poème, il faut aussitôt ajouter que le poème est le péril consenti dans lequel un homme disparaît pour renaître poète. Il y a quelqu'un à l'origine du soulèvement qui ne sera plus le même à la crête de la connaissance où le porte son mouvement. Je cite « En poésie, devenir c'est réconcilier. Le poète ne dit pas la poésie, il la vit, et la vivant, il devient mensonger. Paradoxe des muses, justesse du poème. » C'est dire que l'acte littéraire est inséparable d'un affrontement vital. L'angoisse, la hauteur, l'adversaire, René Char les a éprouvés dans leur plus vive réalité et non dans l'imaginaire.
Si la hauteur est sans doute l'apanage glorieux du poème, elle est en même temps la vérité de l'amour, chemin de Parélie, chemin qui se soulève au-dessus de la terre vers ce double soleil illusoire qui apparaît dans la nuée. Quant à l'angoisse, c'est en mettant les choses au pire, c'est en acceptant le comble de l'angoisse, en faisant face dans les maquis aux plus monstrueux des adversaires réels, que le poète s'est porté garant de sa parole rebelle. Je viens d'évoquer le lieu mystérieux que l'on pressent à l'origine du poème, sa région prénatale, la nuit, la terre, l'angoisse, le rocher. Mais la puissance antagoniste est aussitôt à l'œuvre, et Char nous en communique l'évidence par des images d'une merveilleuse diversité. La graine dans la terre, la source dans le rocher, l'éclair dans la nuit, le scintillement des astres sur fond de ténèbres. C'est d'une opposition de principes belliqueux et amoureux, cosmique, matériel, émotif, que naît le mouvement désormais irrépressible. Il y a toujours derrière le poème de Char une double puissance, un couple fécond, un jeu d'antagonistes ou même d'incompatibles qui se prêtent mutuellement appui en vue d'un arrachement, d'un jaillissement, d'un en avant qui ne pourront désormais plus s'arrêter avant d'avoir dépensé toute l'énergie motrice dont la commotion de l'origine les a chargés. Dans le beau poème lumineux « Déclarer son nom » où Char évoque son enfance, le couple générateur est l'insouciance et la douleur, et dès qu'il est nommé, une accélération se produit. J'avais 10 ans, la sorgue m'en chassait, le soleil chantait les airs sur le sage cadran des eaux, l'insouciance et la douleur avaient scellé le coq de fer sur le toit des maisons, et se supportaient ensemble. Mais quelle roue dans le cœur de l'enfant aux aguets tournait plus fort, tournait plus vite que celle du moulin dans son incendie blanc. Oui, un mouvement rapide et quasi instantané porte le poème de son origine à son comble, de son surgissement initial au point diamanté actuel où le présent précaire et acéré nous illumine. Certes, l'instant multiple, le bouquet d'étincelles, la grappe et l'essaim, toutes les figures plurielles où l'unité du présent prodigue son éclat, sont chez René Char des thèmes privilégiés. Mais l'on ne saurait assigner un poète aussi libre que René Char à la répétition obsédante d'un schème et d'un parcours. Combien de poèmes dans cette œuvre ne nous parle-t-il pas de l'essor retardé, de la patience, de l'endurance au sein d'un élément hostile, durée nocturne, temps d'inclémence et d'injustice? Et cet élément est rendu fécond par la veillée qui l'habite et qui attend l'issue. Char écrit « Porteront rameaux ceux dont l'endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit l'éclair. » Et dans le soulèvement de la parole, ce n'est pas seulement l'origine et la cime qui comptent pour l'expérience poétique. René Char sait tout le prix qu'il faut accorder au seuil, à l'orée, à la frontière, à la brèche, à tous les lieux où s'accomplit un passage décisif entre l'origine obscure et le terme informulé. Le poète, nous dit-il, est un passeur de justice, un passant appliqué à passer. Et s'il est du nombre des matinaux, ce n'est pas seulement parce qu'il est du premier soleil, c'est parce qu'il a su guetter en pleine nuit le rougeoiement de l'aube. Le point du passage projette ainsi l'alliance des contraires dans l'élan d'un devenir, dans les temps successifs d'un échange. L'état d'esprit du soleil levant est allégresse, malgré le jour cruel et le souvenir de la nuit. La teinte du caillot devient rougeur de l'aurore. Nous ne pouvons vivre que dans l'entrouvert, exactement sur la ligne hermétique de partage de l'ombre et de la lumière. Mais nous sommes irrésistiblement jetés en avant. Toute notre personne prête aide et vertige à cette poussée. Tout surgissement, en effet, traverse une limite, franchit un obstacle, se risque dans un espace inouï. C'est l'image simultanée des premiers instants du fleuve ou de l'amour ou du poème. C'est le défilé que traverse une force conquérante. Les premiers instants.
Nous regardions couler devant nous l'eau grandissante. Elle effaçait d'un coup la montagne, se chassant de ses flancs maternels. Ce n'était pas un torrent qui s'offrait à son destin, mais une bête ineffable, dont nous devenions la parole et la substance. Elle nous tenait amoureux sur l'arc tout-puissant de son imagination. Quelle intervention eût pu nous contraindre ? La modicité quotidienne avait fui. Le sang jeté était rendu à sa chaleur. Adopté par l'ouvert, poncé jusqu'à l'invisible, nous étions une victoire qui ne prendrait jamais fin. Les nuits justes. Avec un vent plus fort, une lampe moins obscure, nous devons trouver la halte où la nuit dira « passer ». Et nous saurons que c'est vrai quand le ver s'éteindra. Ô terre devenue tendre, ô branche où mûrit ma joie, la gueule du ciel est blanche, ce qui miroite là, c'est toi, ma chute, mon amour, mon saccage. Seuil. Quand s'ébranla le barrage de l'homme, aspiré par la faille géante de l'abandon du divin, des mots dans le lointain, des mots qui ne voulaient pas se perdre, tentèrent de résister à l'exorbitante poussée. Là se décida la dynastie de leur sens. J'ai couru jusqu'à l'issue de cette nuit diluvienne. Planté dans le flageolant petit jour, ma ceinture pleine de saisons, je vous attends, ô mes amis qui allez venir. Déjà je vous devine derrière la noirceur de l'horizon. Mon âtre ne tarit pas de vœux pour vos maisons, et mon bâton de cyprès rit de tout son cœur pour vous. Parce que le passage, lié à l'attente qui est battante tout bas, est un acte si grave, le poète témoignera son amour et sa vénération pour les lieux où s'inscrit le passage, pour les points frontières. S'il est en effet des lieux et des objets sacrés dans l'univers de René Char, ce seront, avant tous les autres, la pierre du seuil, le sentier et son détour, le rocher de la fontaine de Vaucluse, ou bien le carreau, la vitre, où le dehors et le dedans marquent leurs frontières solidaires. Le carreau. Pure pluie, femmes attendues, la face que vous essuyez de verre voué au tourment est la face du révolté. L'autre, la vitre de l'heureux, frissonne devant le feu de bois. Je vous aime, mystère jumeau. Je touche à chacun de vous. J'ai mal et je suis léger. C'est encore une fois un seuil, mais un seuil qui ne peut plus désormais être franchi, que nous trouvons à la limite extrême du soulèvement poétique. Que le poème bondisse à sa plus haute cime, et il arrive qu'il s'y porte avec la plus grande célérité. Il s'y trouve moins riche de son acquis qu'assoiffé de ce qui lui manque et se dérobe encore. Le sommet n'est que d'un instant, le temps de faire face à l'inconnu, au futur, au silence. René Char écrit « Après l'ultime distorsion, nous sommes parvenus sur la crête de la connaissance. Voici la minute du considérable danger. L'extase devant le vide, l'extase neuve devant le vide frais. » Quelle que soit l'image que le poète nous propose du terre matin, comble du plaisir, delta du fleuve, crête de la vague, zénith de la flèche ou de l'astre, la victoire s'y inverse glorieusement en défaite, le seuil y devient celui d'une perte. Ainsi, instruit sur sa finitude, refusant obstinément de s'y soumettre, l'homme, le poète, se trouve renvoyé à la nuit infinie de ses origines, à la source de son élan. La dynamique du poème, chez René Char, n'autorise pas à trouver le repos sur les cimes. Dans Lettera Amorosa, nous lisons « Notre arche à tous, la très parfaite, naufrage à l'instant de son pavois. Dans ses débris et sa poussière, l'homme à tête de nouveau-né réapparaît, déjà mi-liquide, mi-fleur. » Ailleurs, « Quand le navire s'engloutit, sa voilure se sauve à l'intérieur de nous. Elle mate sur notre sang.
sa neuve impatience se concentre pour d'autres obstinés voyages. N'est-ce pas, vous qui êtes aveugle sur la mer, vous qui vacillez dans tout ce bleu, ô tristesse dressée aux vagues les plus loin? Le comble chez René Char exclut le cumul. Il écrit « Et toi, cime d'aujourd'hui, amante, ne crains pas que je t'ajoute aux dons qui t'ont précédé. » Oui, entre un passé aboli et un futur non prédit, la plus haute crête du présent, où la vigilance, l'emportement, l'émotion, la pensée, le vertige ne font qu'un, n'est pas le lieu d'une demeure possible. Lorsqu'il endurait dans la nuit, le poète guettait l'instant du passage. Maintenant qu'il accède au point extrême de sa trajectoire, il s'y trouve comme interdit de séjour. Char écrit « La poésie vit d'insomnie perpétuelle. » Ne regardez qu'une fois la vague jeter l'ancre dans la mer. Le poète ne retient pas ce qu'il découvre. L'ayant transcrit, le perd bientôt. En cela réside sa nouveauté, son infini et son péril. Le poète fait face à l'inconnu. Comment vivre sans inconnu devant soi, demande Char. Cet aphorisme auquel Maurice Blanchot a consacré un beau commentaire situe la vie, donc la poésie, sur la ligne avancée d'un affrontement. L'inconnu, qu'est-ce donc? Ce dont je ne suis pas le maître, ce dont l'appel ne cesse de me tenir éveillé, ce qui me circonscrit et me provoque, la partie adverse, neutre et sans visage, qui m'environne et qui m'habite, l'horizon où se fomente mon destin. Mais pas plus que le poète ne demeure inactif, l'inconnu ne reste sans visage. Dans l'espace où cet étrange couple d'adversaires s'observe d'abord dans un affût immobile, va naître l'événement. Du fond de l'inconnu, l'occurrence surgit et le poète a le devoir de riposter. De l'horizon encore inqualifié, voici se détacher les délégués de l'inconnu. L'infortune, le risque ou bien la chance. Une agression ou un don. Les bourreaux et les monstres, ou la beauté inespérée mais toujours attendue. Le poète se porte à leur rencontre avec la réponse appropriée. Partout dans l'univers de Char, nous retrouvons la scansion, les deux temps d'une provocation du monde et d'une réponse du poète, à moins qu'à l'inverse, l'acte humain ne précède la réplique du monde. Le chasseur tire, la forêt flambe. Et dans le soleil des eaux, les pêcheurs font sauter le barrage. Puis, écrit Char, l'eau s'échappe en bouillonnant, l'eau que l'explosion a délivrée, l'eau à l'image de sa source. Le moment intense, la syllabe brève de l'explosion, est suivie ainsi d'une syllabe longue, tumultueuse, réplique de la nature délivrée à l'acte ponctuel et pur de la révolte humaine. Nous pouvons aujourd'hui mesurer la justesse de la réponse de Char, quand cette réponse, quelquefois, se fait toute proche d'un silence. Ainsi, l'assourdissement de la voix, ce sommeil de la poésie que nous rencontrons dans les feuillets d'hypnos, ces notes du temps de guerre. Le poète sauve alors la vérité de la poésie en la ramenant au plus près du silence, en serrant les dents devant le sang répandu. « J'ai répliqué au coup, » écrira Char. Il n'eût pas convenu de chanter. Seul, à ce moment, le mutisme est capable de donner la juste mesure de l'espoir. Le mutisme, ou ces notes proches du silence, qui disent l'attente, la veillée dans les ténèbres. La couleur noire renferme l'impossible vivant. Son champ mental est le siège de tous les inattendus, de tous les paroxysmes. Son prestige escorte les poètes et prépare les hommes d'action. Toute la vertu du ciel d'août, de notre angoisse confidente,
dans la voie d'or du météore. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Chant du refus. Le poète est retourné pour de longues années dans le néant du père. Ne l'appelez pas, vous tous qu'il aimait. S'il vous semble que l'aile de l'hirondelle n'a plus de miroir sur terre, oubliez ce bonheur. Celui qui panifiait la souffrance n'est pas visible dans sa léthargie rougeoyante. Ah, beauté, vérité, face, que vous soyez présents, nombreux, aux salves de la délivrance. Faction du muet. Les pierres se serrèrent dans le rempart, et les hommes vécurent de la mousse des pierres. La pleine nuit portait fusil. Les femmes n'accouchaient plus. L'ignominie avait l'aspect d'un verre d'eau. Je me suis uni au courage de quelques êtres. J'ai vécu violemment, sans vieillir, mon mystère au milieu d'eux. J'ai frissonné de l'existence de tous les autres, comme une barque incontinente au-dessus des fonds cloisonnés. À chaque effondrement d'épreuve, le poète répond par une salve d'avenir. Vivre une vocation d'opposant d'une façon si généreuse, si véridique, si intransigeante, n'est possible qu'à un homme capable d'éprouver en lui-même la puissance de l'opposition. Char écrit « Au centre de la poésie, un contradicteur t'attend. C'est ton souverain. Lutte loyalement contre lui. Que le risque soit ta clarté. » Nous sommes ici au point où le risque tourne et va montrer son autre face, qui est chance. Où par conséquent, la riposte fait place à l'accueil, le défi devient confiance, dans une lucidité toujours armée. La possibilité du poème, elle aussi, est un événement, c'est-à-dire une présence venue à nous du fond de l'inconnu et à laquelle nous avons à répondre. Comment me vint l'écriture ? Comme un duvet d'oiseau sur ma vitre en hiver. Aussitôt s'éleva dans l'âtre une bataille de tisons qui n'a pas, encore à présent, pris fin. Les commentateurs de René Char ont beaucoup insisté sur l'énergie violente qui traverse certains de ses poèmes. Il faudrait insister tout autant, me semble-t-il, sur les images de la tendresse qui n'abondent pas moins et par lesquelles le poète répond à l'inconnu lorsque celui-ci vient à lui sous l'aspect miraculeux de la chance ou de la faveur. La chance s'annonce dans des personnes, dans des vivants, dans des visages. Ce n'est plus un horizon neutre, c'est un être offert dans sa singularité charnelle. Le poème est toujours marié à quelqu'un, dit René Char. Et encore. Il n'y a que mon semblable, la compagne ou le compagnon, qui puisse m'éveiller de ma torpeur, déclencher la poésie, me lancer dans les limites du vieux désert afin que j'en triomphe. Aucun autre, ni cieux, ni terre privilégiée, ni chose dont on tressaille. Torche, je ne valse qu'avec lui. La réponse est alors de fraternité ou d'amour, non sans que s'y mêle le simulacre au moins d'une violence. Le parfait amour, celui que décrit Lettera Amorosa, n'est-il pas guérilla sans reproche? Car la compagne, l'aimée, est toujours mandatée par l'inconnu. Elle est la chance issue des profondeurs mystérieuses du monde. Elle suscite notre réponse reconnaissante. Elle ne se laisse pas capturer. Saisir la tête aimée, Charles affirme, ne peut être qu'une convoitise comique. L'unité de l'amour ne s'accomplit pas dans la fusion des semblables, mais dans la relation asymétrique où notre désir fait face à la part d'inconnu et d'absence qui, dans la chance offerte, ne cesse jamais de se dérober à nous. Tu es mon amour depuis tant d'années, mon vertige devant tant d'attentes, que rien ne peut vieillir, froidir. Même ce qui attendait notre mort, où lentement su nous combattre,
même ce qui nous est étranger, et mes éclipses, et mes retours. Fermé comme un volet de buis, une extrême chance compacte est notre chaîne de montagnes, notre comprimante splendeur. Je dis chance, ô ma martelée, chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre, sans en répandre le secret, et la douleur qui vient d'ailleurs trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité, trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée, qu'elle déchire et recommence. Je dis chance comme je le sens. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra. Si proche qu'il soit de son semblable, de son compagnon, le poète reste, selon l'expression de Char, l'homme de la stabilité unilatérale. L'intervalle doit être sauvegardé. Il faut accueillir notre chance, notre adversaire aimé, avec tous les égards qui lui sont dus. Saurais-je assez montrer combien l'intensité de la rencontre chez René Char est liée au respect d'une irréductible distance? Deux poèmes, Congé au vent et Bois de Lepte, le diront mieux que tout commentaire. Congé au vent. À flanc de coteau du village, bivouac des champs fournis de mimosas. À l'époque de la cueillette, il arrive que loin de leur endroit, on fasse la rencontre extrêmement odorante d'une fille dont les bras se sont occupés durant la journée aux fragiles branches. Pareille à une lampe dont l'auréole de clarté serait de parfum, elle s'en va, le dos tourné au soleil couchant. Il serait sacrilège de lui adresser la parole. L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du chemin. Peut-être aurez-vous la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de l'humidité de la nuit. Le bois de Lepte. Je n'étais ce jour-là que deux jambes qui marchent. Aussi le regard sec, le nul au centre du visage, je me mis à suivre le ruisseau du vallon. Bas coureur, ce fade ermite ne s'immisçait pas dans l'informe où je m'étendais toujours plus avant. Venu du mur d'angle d'une ruine laissée jadis par l'incendie, plongèrent soudain dans l'eau grise deux rosiers sauvages pleins d'une douce et inflexible volonté. Ils s'y devinaient comme un commerce d'être disparu à la veille de s'annoncer encore. Le rauque incarnat d'une rose, en frappant l'eau, rétablit la face première du ciel avec l'ivresse des questions, et veilla au milieu des paroles amoureuses, la terre, me poussa dans l'avenir comme un outil affamé et fiévreux. Le bois de Lepte commençait un tournant plus loin. Mais je n'eus pas à le traverser, le cher grainetier du relèvement. Je humais sur le talon du demi-tour le remugle des prairies où fondait une bête. J'entendis glisser la peureuse couleuvre. De chacun, ne me traitez pas durement. J'accomplissais, je le sus, les souhaits. Mais si l'univers végétal et floral propose au poète l'image incarnée de sa passion, que dire de l'admirable bestiaire, de la vie multiple et toujours menacée qui abonde dans les livres de René Char? L'animal fait couple, moins avec ce qu'il aime qu'avec ce qui le tue. Oui, nous retrouvons l'amour et son essentiel asymétrie dans la complainte du lézard amoureux, mais c'est du Chardonneret que le lézard est amoureux. Et c'est avec la mouette que le requin communique au jour de la nave innocence. Mais le martinet est guetté par un mince fusil. Le taureau solaire meurt, cerné de ténèbres qui crient, sous l'épée de son meurtrier rituel. L'alouette, extrême braise du ciel et première ardeur du jour, l'alouette trouve la mort par le miroir qui l'émerveille. La bête de Lascaux perd ses entrailles à côté du chasseur qui a péri dans sa capture.
Le bestiaire de René Char est le symbole foisonnant de la liberté du cœur et de son risque essentiel. La truite. Rive qui croulait en parure afin d'emplir tout le miroir. Gravier où balbutie la barque que le courant presse et retrousse. Herbe, herbe toujours étirée. Herbe, herbe jamais en répit. Que devient votre créature dans les orages transparents où son cœur la précipita? Les animaux qui retiennent l'amour de René Char sont des créatures qui ne connaissent pas de maître, qui vivent dans la pure intimité des éléments et que leur liberté même rend tout ensemble vulnérable et incorruptible, tels les loups disparus avec lesquels le poète se sent fraternellement conjoint. Le village vertical. Tels des loups ennoblis par leur disparition, nous guettons l'an de crainte et de libération. Les loups enneigés des lointaines battues à la date effacée. Sous l'avenir qui gronde, furtif, nous attendons pour nous affilier l'amplitude d'amont. Nous savons que les choses arrivent soudainement, sombres ou trop ornées. Que ce bestiaire, que ces oliviers et ces roseaux soient d'une région de Provence, que ces forêts, ces montagnes, ces villages soient repérables sur la carte dans le pourtour de l'île sur Sorgue, c'est là, certes, l'indice d'une fidélité à la contrée natale, mais c'est encore une fois dans la perspective de l'union des contraires qu'il faut comprendre les liens avoués. Car nul poète n'est d'autre part plus délié que René Char, plus résolu à se dresser, selon ces termes, dans un aujourd'hui sans au-delà et sans lignée. Entre cette appartenance à toute épreuve et la grande liberté sans rivage, un dialogue véhément reste engagé. Fidélité et liberté accentuent leurs différences pour se fortifier mutuellement, comme la base et le sommet, comme l'aval et l'amont. Le poète est de ce lieu-ci pour mieux affronter ce qui n'est d'aucun lieu. Il n'est pas de cette terre, de cette vallée close, pour s'y enfermer, mais pour y marcher, pour y rester le passant, debout, mais dans la marche. L'un des derniers textes de René Char est celui-ci. Se mettre en chemin, sur ses deux pieds, et jusqu'au soir, le presser, le reconnaître, le bien traiter, ce chemin qui, en dépit de ses relais haineux, nous montre les fétus des souhaits exaucés, et la terre croisée des oiseaux. La marche, la terre croisée des oiseaux, mais aussi le cours du fleuve, le poète n'est jamais à court d'exemple. Il recueille autour de lui les leçons du monde, les images vivantes de l'alliance héroïque entre la fixité et le mouvement, entre l'enracinement et le flux. Son destin d'écartelé et de conciliateur lui est révélé dans des objets, dans des rencontres où le monde devient le miroir du poète, à seule fin que le poète se fasse en retour le miroir du monde. L'effacement du peuplier au seuil de l'hiver, c'est l'effacement même du poète, s'il est vrai, comme le dit René Char, qu'en poésie, on n'habite que le lieu que l'on quitte, on ne crée que l'œuvre dont on se détache, on obtient la durée qu'en détruisant le temps. Écoutons Effacement du peuplier, ce poème si laconique et pourtant si spacieux, où les quatre éléments trouvent place. Non seulement les quatre éléments, mais la vérité et le leurre, la violence et la tendresse, la nature et l'homme. Effacement du peuplier. L'ouragan dégarnit les bois. J'endors, moi, la foudre aux yeux tendres. Laissez le grand vent où je tremble s'unir à la terre où je crois. Son souffle affile ma vigie, qu'il est trouble le creux du leurre de la source aux couches salies.
une clé sera ma demeure, feinte d'un feu que le cœur certifie, et l'air qu'il atteint dans ses serres. L'ouragan est liberté déchaînée dans le flux inépuisable du vent et la brûlure de la foudre, mais l'arbre, endurant, dans sa persévérante croissance, endort la foudre. C'est déjà la foudre aux yeux tendres, la douceur mêlée à la violence. Si nous écoutons la leçon de l'arbre, la furie mobile du vent s'unira à la terre immobile et opaque. L'arbre appartient à la fois à l'un et à l'autre. Il est debout et il tremble. Son frémissement est l'indice de sa double appartenance. Il est à la fois obéissance à la terre et obéissance au vent. Il participe au flux vagabond et il demeure prisonnier de son site. Et dans sa verticalité vigilante, le peuplier, par sa cime dressée au cœur du tumulte aérien, refuse le destin de la source. Le signe de l'altitude en éveil s'oppose à l'image d'une trouble origine mêlée à l'humus. Une clé sera ma demeure. C'est maintenant le poète qui parle, l'homme de l'ouverture, l'homme qui refuse de s'établir. Une clé sera ma demeure. Cette parole est-elle énigmatique? Le laconisme de Char rejoint ici l'emblème, la devise. La parole semble dissimuler son parti singulier et sa portée universelle. Elle n'attend cependant qu'une patience et un appui de notre regard pour s'illuminer complètement. En effet, Char nous dit fortement que la seule demeure du poète est l'instrument du passage, ce par quoi un seuil peut être franchi, une clé. Le poème est cette clé. Une clé qui nous libère, nous lecteurs, tandis que le poète reste assigné à sa veillée. Char écrit « Le donneur de liberté n'est libre que dans les autres. Le poète ne jouit que de la liberté des autres. » Or, la clé a reçu forme d'un feu que le cœur certifie, et elle appartient aussi bien à la force souveraine du vent. Comment mieux dire que le poème, chose feinte, objet imaginaire, a pour garant de sa vérité le feu intérieur de l'homme et la royauté extérieure de l'air. Qu'ainsi, sous ce double auspice, la parole poétique ne peut nous égarer si loin qu'elle nous conduise de nos logis paresseux. Le poème nous prépare une plus grande demeure sous le ciel commun. Il nous fait accéder à ce foyer instantané où rien n'est épargné dans l'embrasement heureux qu'il communique à notre vie. Dans le tissu du poème doit se retrouver un nombre égal de tunnels dérobés, de chambres d'harmonie, en même temps que d'éléments futurs, de havres de soleil, de pistes captieuses et d'existences entrappelant. Le poète est le passeur de tout cela qui forme un ordre, et un ordre insurgé. Cet instant où la beauté, après s'être longtemps fait attendre, surgit des choses communes, traverse notre champ radieux, lie tout ce qui peut être lié, allume tout ce qui doit être allumé de notre gerbe de ténèbres. France Culture vous a présenté René Char et la définition du poème, une émission de Jean Starobinski avec Roger Blin et Jean Negroni, réalisation Georges Gravier.